on est là pendant 48 heures, plus ou moins chacun, pour faire un film. Du coup, on s'est dit thème policier, plus ou moins. Plus branché sur la bave, voilà. Mais ne pas hésiter à faire du comique, ouais. À faire un peu de la, des trucs un à peu. À faire ce qu'on veut. Voilà, à faire ce qu'on veut un peu. La bonne blague. Hein, ouais, mais pas que. La blague de bouffe. Des belles images, des courses poursuites en voiture, on va voir ce qu'on peut faire. Hein, on va tenter ce qu'on peut. Mais non. On va faire, ouais. On va faire ce qu'on peut, mais le but c'est que ça rentre bien quand même en 48 heures, donc on pourra pas tout faire non plus. Non, même pas, on est avant. Ah merde, on a... Du coup, on sait même pas encore fait voler. Donc on est très loin. Et quelle heure? Il est 2h30. Ça se voit, genre si je m'assois là, je dors. La dernière personne qui s'est assise là, c'est comme allongé dans le sac. C'est vrai. 1, 2, 3. Il a compris. C'est possible. Non, je n'y arrive pas moi-même. Si la violence ne résout rien, pas de problème. Il se fait buter par une ruse, ou est-ce qu'il est tenté par le vélo électrique et il rejoint un peu le pont du méchant? Et comme ça, tu vois la courser comme ça là. Ouais, mais... tu peux pas t'arrêter de pile au placard, je pense. Tu non, mais... tu laisses pas 3 secondes où tu les vois courir. Non, mais c'est ça que, avec le hors-champ. Pour moi, il faut jouer avec le hors-champ parce que l'arrière-plan, c'est ça que je crois. L'organisateur de l'événement nous fera l'honneur de sa présence pour nous présenter sa toute nouvelle gamme de 4x4. Non, franchement, c'était bien, c'était long, mais on a bien avancé notre tour, on a écrit 10 pages là. Et franchement, c'est. Tu peux faire un résumé, tu serais capable? Ouais, vite fait, là j'ai la tête dans le cul, mais film policier, ouais. La bave qui se retrouve face à Bolloré. Voilà! Voilà! Super! C'est enfin cool. Là c'est pas marqué la destination, mais on va à un endroit. On va à un endroit avec des rochers. Je sais même pas où on va moi, je sais même pas où on va. Mais t'inquiète, t'inquiète, on va... Guide-moi, est-ce que là je vais tout droit là? Oui, là tout droit, tout droit, tout droit. Ok, bah t'inquiète, bah, c'est-à-dire que tu sais où on va. Enfin, je sais, mais je connais pas le nom du lieu en fait. Oui, mais parce que c'est pas un nom, y a pas de nom, genre y a des rochers et c'est le champ au caillou. C'est des champs quoi, oui, c'est ça. C'est la prochaine droite. Regarde ce nom dans mon sac à dos, j'ai fait. Regarde, tu vois tes pieds là? Ah, ça marche! Bonjour, qu'est-ce que ça fait d'être à la bave depuis. Oui, vous êtes là depuis combien de temps? Vous voyez, c'est ce genre de véhicule complètement plat, complètement à plat, vous pouvez tester par vous-même. C'est inacceptable, et tout ça pour un salaire misérable. D'accord. Je ne peux pas dire, inacceptable, inacceptable. C'est pas bien du tout, même. Est-ce que les quartiers ont peur de la bave? Non, non, nous on est très amical, on est amical, on est là pour. Rassurer la population. Ils ont extrêmement peur. D'accord. Fallait pas le dire. Non. Tu le jettes dans les herbes. Genre tu le laisses rouler. Ah oui, ok, dans les feuillages, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui vient de se passer là pendant cette séquence? Non mais pour qu'on puisse faire le demi-tour juste. J'ai oublié, j'ai trop faim. Je comprends. Non, on a fait un bon début de tournage. Hein. En vrai, pour l'instant, on a des beaux plans. C'est juste le problème, c'est le temps et que le scénario, on verra comment ça se passe. Voilà, attention, nous avons la barre. Accident. Nous avons là. Allez là, là tu le shootes. Allez. Là. Du coup là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on va faire normalement les bureaux de la bave. Ok, vous suivez, allez. Allez, 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 allez. Allez, les pitchouts, les pitchouts. Allez, accélère. Mais pas possible. Avec les polos, ça pue. Allez, les poulets. La police, elle a des jambes en caoutchouc, quoi. On ferme la marche. Oh
C'est le Tour de France. Bah, on attend de savoir si on peut venir tourner ici. J'avoue, on a très impatience parce que c'est l'impatience qui fait vibrer. J'ai l'impression. J'avais prévu de faire un tournage avec Sofadou Voyage. Et j'avais conclu avec l'entreprise, mais en fait, on avait vu pour aller dans les bureaux, sauf que en fait, on est arrivé et c'était fermé. Non, c'est là en fait, on est là maintenant. J'ai entendu ce mec, il nous a donné un 06, le mec m'a dit ce matin vous m'avez pas appelé. Mais pas un truc en mode genre reproche, juste vous avez pas appelé, juste comme ça. Ouais, et du coup, il me dit qu'il me rappelle en gros. Mais je sais pas ce qu'il va faire en gros, mais bon, il me rappelle. Donc voilà, peut-être Marvin un peu plus fort. Non mais soit c'est sous-ex, c'est pour ça que je voulais DG at ND. Ah ouais, mais ouais. Mais du coup soit ça sera sur-ex, soit ça sera sous-ex dedans. Mais je préfère sur-ex l'extérieur. Comment ça avance? Oui, ça avance bien. Non, en vrai, ça m'étonne que je rentre pas dans le cadre. Parce que le cadre est large, on va un petit peu, et je bouge dans tous les sens. Mais en vrai, ouais, ça va, on se remet un peu à la perche. D'accord. En gros, genre, Lucas, il intervient trop tard, tu vois, genre, il dit pardon. Et après, Lucas, il attend, genre, 3 secondes et tout. Ça, c'était aussi déjà dans l'autre vie, Et vous les avez envoyés enquêter sur mes armes, en plus? Oui, je leur ai dit de les laisser au poste. Non. Et action! Pour vous. D'abord le gang de motocross, qu'on retrouve à la déchetterie. Ensuite le tracteur du père Larcher. Et maintenant un présentateur dans le coma. J'en ai besoin là. Il a écrit de partout. Ouais, on a rien. On dirait on est que lentement, on a découvert un monde. Oui. La technologie du monde. Il y a 2 minutes, c'était pas autant bordel, c'est déjà. Alors du coup là, on va filmer le plan vol vélo, c'est ça? Tout à fait. Et les gens, on doit aller tout droit. En vrai, ouais, 3 plans, je pense. Au minimum, en vrai, tac, tac. Et en vrai, dans la rue, il y en aura un ou deux. Ah, ouais, je vois. Tourne sur ce lieu. Ouais. Dernière, pas dernière prise, mais dernière séquence qu'on tourne. Action! Ouais. Waouh! Faut pas qu'il regarde le corps? C'est bien passé les prises juste avant, Arthur? Plus ou moins bien, on sent que commence à y avoir de la fatigue et des erreurs. Et... On essaie d'y aller plus rapidement en fait, simplement. Ça manque de moins de rigueur. Investissement. h 42 et je suis accompagné de Marc. Et on est réveillé. Les autres, je sais pas s'ils sont réveillés, mais nous on est très réveillés. Okay. Et il y a Lucas qui est censé nous rejoindre dans genre pas longtemps. C'est partout dans le coma. Et 6h. Bonsoir, on est les premiers arrivés, premiers servis, et les meilleurs. Mais du coup, il se passe quoi là? En gros, pour résumer la journée, en fait, on est parti sur le tournage 7h environ, à 7h. Et donc, en fait, en gros, c'était dans un truc abandonné. C'était bien pour faire en fait le repère du méchant un peu. Et du coup, ça c'est pour la séquence, pour l'avant-dernière séquence.
Et ensuite on est allé faire la séquence, du coup la séquence qui se passe en fait juste avant dans le film, donc avec l'arrivée des voitures. Du coup on est faire une séquence de course poursuite juste après. Et donc on devait déplacer les voitures qu'on venait d'utiliser en fait pour le plan d'après. Et en fait j'ai eu un accrochage avec un camion, ça a pris 4 ans pour faire le constat et tout ça. Donc, déjà qu'on était en retard, là on en a encore plus pris. Donc au final en fait on a abandonné la séquence de la course poursuite parce que du coup ça prenait beaucoup trop de temps. On a fait quelques plans de raccord, enfin ils se sont occupés de faire quelques plans de raccord pendant que je faisais le constat et tout ça. Et du coup on est revenu quoi. Bon ouais, comme on l'avait un peu prévu, en fait ça va être très compliqué de sortir un truc bien là en 2 secondes. Donc ce qu'on va faire je pense c'est sortir la version le plus vite possible. Comme ça on la montre à l'équipe et en gros après ce serait se faire 24 heures de montage où on se tente de se faire le truc au max de ce qu'on peut faire quoi. J'ai risqué ma carrière pour vous. D'abord le gang de motocross à la déchetterie. Ensuite, le tracteur du Père Marché et maintenant, un présentateur dans le coma. Je vous rappelle que la bave, c'est pour la brigade à vélo, pas pour les bavures. Qu'est-ce qui vous passe par la tête?